Ta-da! Wearing the mask of peace and hope, comes the fearless defender and hero of this town. It is me, Captain Giostek. Young fellow, do my hero senses detect that you got troubles? Just say the word and Captain Justice will make all your problems disappear. Who, me? Meow? I'm just trying to make some friends. Never mind. Forget it. Don't be intimidated by my magnificence. Go on and spit it out, then remember to vote Captain J. Vote? Forget that. How can I help? That's the only reason I'm here. I know. Tell me about your town. Everything's so festive. Is it always like this? Huh? That's it? Nothing else? Well, the festivities are on account of the Dream Festival, which is why I made sure there's carnival stuff all over town. Really? Like what? Oh, you gotta see it for yourself. Wouldn't be much of a dream if I just told you. Right. Thanks. And kid, don't you go forgetting. Captain Justice is the one who solved all your problems. That would be Justice with a J. Sure. I got it, Captain Justice. Ah, Fooey, this stinks. Now we can't open the ice cream shop. Trouble? Rescue is on the way! A festival, huh? Well, maybe I can make some new friends. Yuppie! Donc vous l'aurez compris, du coup, on se retrouve pour la ville de Disney. Qui, bon, voilà, ça me fait toujours aussi plaisir d'y être. Je pense que ça s'entend l'intonation de la voix, là. On est bien. On est bien. Enfin, surtout que là, le mini-jeu avec Vayne, je l'aime pas, donc je vais le faire le plus tard possible. Donc, on va explorer la ville d'abord. Voilà, alors moi c'est dit. Je vais d'abord faire le tour de la ville pour récupérer les coffres. Et j'irai m'occuper de cette machine à glace de mes deux qui va me les briser menu. En dernier. Alors est-ce que je commence... Ouais, bah allez, je vais commencer par le sous-sol. Comme avec Terra, on va les mettre en place... l'alimentation un peu de tout ce qu'il y a au sous-sol pour qu'on je puisse aller chercher des coffres. Donc du coup je me suis équipé de la Keyblade que Axel m'a laissé. Enfin que j'ai obtenu plutôt après avoir rencontré Axel. Enfin, même Lee je devrais dire vu qu'il a pas encore pris l'apparence vraiment du membre de l'organisation 13. Et ouais, bon, je reconnais au changement, c'est tout. Enfin, j'ai acheté des techniques. C'est pas pour le mixage de commandes. C'est juste pour aller chercher un coffre, en fait. Je vais aller chercher un coffre en avance. Beaucoup en avance, même. Pour, j'allais dire, pour me simplifier la vie, entre guillemets. Pour me simplifier un peu les déplacements aussi, on va dire. Parce que dans la ville de Disney, on a... un coffre alors que j'avais pas montré avec Terra parce que lui justement il n'y avait pas de coffre, c'était un sticker ce qu'il y avait, mais là pour Vayne à la place de ce fameux sticker il y a un coffre, et un coffre qui contient une technique, alors pas une technique de combat, une technique genre parade, glissade, vol plané, ce genre de choses, et je vais aller la chercher en avance parce que ça sera utile en fait. Donc je dis pas ce que c'est pour le moment, je montrerai après. Ça tombe bien du coup, ça je vire. Swinx, je peux en virer un pour le moment, Rafale peut s'en mettre là. Là je vais avoir besoin de foudre. Foudre. J'ai un déferlement foudre ou pas, non? Non, j'ai que le sort. J'ai peur que ça suffise pas par contre.
Il va falloir que je passe en, sûrement en style de commande éclair d'ailleurs. Collection, on s'en fout. De toute façon, je les fais pas. Trésor. Voilà, j'essaye d'en faire. Mais si on s'en fout, allez hop. Foudre, voilà. Allez, on passe en style éclair, ça ira tout de suite mieux. Voilà. Bon, merci, maintenant les foudres dégagent. Et je vais carrément prendre tous les estocs dont j'ai besoin. Oui, je vais faire monter lancer bloquant par contre. Ça, ça m'intéresse. Hop, allez, on va aller chercher un petit peu tout ce qui traîne. Voilà. Voilà. Si plus les stocks, ça fait boulot. Tac, leur folle, allez. Bon, l'autre est carrément tombé. Allez, basta. T'es revenu. Voilà. Potion. Voilà. À défaut d'avoir le dash. Glisser, ça fait le boulot. Hop. Tac. Voilà, médiaité, ok. Donc là, par contre, toujours pareil, il va y avoir le genre de jeu où il va falloir que je rebondisse de partout pour ouvrir les coffres. Oh, putain, j'espère que j'ai plus chanceux qu'avec Terra. Si nous a fait le glacier là. Ça me gonfle ce monde parce qu'il n'y a rien à dire en plus, donc c'est vraiment la loose. J'ai dû rêver. Oula. Oui.
Ah, recette action. Ça, ça peut être bien. Ouais. Voilà. Ouais. Allez. Je suis pas mal. Cela met rien, on s'en fout. Sticker si tu veux. Ah merde, il n'y en avait pas de ce côté. Il m'en manque encore. Il doit y en avoir un. Là, ah, putain, oui, oui, touche. Oui. Allez. Il est ouvert ou pas? J'ai pas entendu. Alléluia. Courte pause, voilà. Bon, en soi, courte pause, ça sert pas à grand chose. Hein. C'est, je crois que j'allais dire avec Terra, juste une petite démonstration. Bah Terra faisait des pompes ou quoi, c'est juste pour récupérer des PV si on arrive à faire l'action. Bon là je me fais chier à la récupérer en fait, c'est parce que vu que je suis sur la version PS3, bien sûr je fais la version compilée HD qui est sortie, c'est qu'ils ont mis un succès pour qu'on fasse courte pause avec chaque perso. C'est pour ça que je les récupère. Sinon je pense que je me serais pas vraiment embêté à aller chercher le coffre en vidéo, c'était juste... J'aurais fait ça complètement off, annexe totale, mais bon. Étant donné qu'il y a un succès à faire, je récupère le temps que j'y pense. Pour moi, c'est fait. Ouais, bon bah, dégage, trop. Alors, moment de vérité. Donc, en fait, voilà, je vais aller là-bas. Comment on fait déjà Select, ouais. Je vais aller là-bas, là. Je sais que ça se voit pas beaucoup, mais là où il y a. La partie de bâtiment bleu avec les fenêtres, il y a un coffre et je vais aller chercher ce coffre avec le super saut et en espérant que j'ai assez des stocks pour y aller. Normalement je devrais en avoir assez, mais c'est que surtout je saute assez haut pour y aller, donc on va essayer. Allez. Yes, hop. Et là du coup on a le super vol plané avant d'avoir le vol plané en fait. Donc c'est à dire que je peux planer avant d'avoir fait, alors bon là je pense que je peux le dire, c'est avant d'avoir fait le monde de Peter Pan évidemment, parce que c'est la fée clochette qui nous permet de faire le vol plané à la base. Et donc après normalement on est censé partir de la caisse comme j'ai fait, d'utiliser la commande vol plané pour venir chercher le super vol plané. Ça nous permet tout simplement de planer plus vite. Donc du coup, je vais m'en équiper de suite. Hop. Vol planer. Enfin, super vol planer. Hop, t'es tout, voilà. Un mixage, il y a des cristaux. Ah oui, un cristal chaotique, ok. Oui, non, c'était pareil. Alors ça c'est bon, ça c'est bon, ça on s'en fout. Alors ensuite, parce que les estocs glissés je les avais juste pris pour ça. Donc là on va prendre des vraies techniques, on va prendre des techniques qui ont besoin de level up. En courte pause à la limite. Oui, bah foudre, tout à fait. Courte pause, je crois que je vais la prendre. Non, je vais l'enlever, je ferai la démo plus tard. Je la ferai peut-être en off, je sais pas, je verrai. Parce que ça sert vraiment à rien. Ouais, lancer bloqué en Slayerman, t'as jackpot, foudre, rafale, soin, ouais c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a encore que... Ah bah oui, la recette action. Ouais, bon le rapport, on s'en fout, allez. Tac. Et voilà, donc du coup, super vol plané, directement déverrouillé, avant même d'avoir le vol plané, tout va bien. Et bah voilà. La frappe feintée, que demander de plus? Allez, on est parti. Feinte,
frappe fin D. Allez, fin tan la pintane. Dédicace. Oui, d'ailleurs, j'ai été très con, moi, foudre, j'en avais déjà un qui était à fond. Un autre. Voilà. Ils sont pas super réactifs non plus. Allez, basta. Non, je vais d'abord. Ouais, tant pis, je vais d'abord finir de fouiller cette zone avant de la quitter. Il va sûrement y avoir des coffres qui traînent encore. Voilà, la fin du contre. C'est relativement mal, cela dit en passant, ça fait plaisir. Pas de coffre ici, pas là. Donc après le pont, il y en a une, ça va en avoir aperçu un. Et allez, bim! C'est pour ça que je dis le combat face à Vanitas il va être épique à la fin, parce qu'avec la feinte, la parade, la parade standard, quoique j'en aurai peut-être une qui sera améliorée d'ici là peut-être. Donc la feinte, la parade, la contre-attaque après la parade, la contre-attaque après la feinte. La contre-attaque après avoir été propulsé. Niveau technique, Ven il est vraiment pas mal. Voilà, coffre. Boum, stop. Fou. Où c'est que je vais arriver là? Ah oui, ça on s'en fout. C'est un mini-jeu aussi. Bon, vite fait, le mug, qu'est-ce qu'il propose? Peut-être la dernière zone, parce que je sais pas si c'est relié directement ou pas. C'est où déjà? Ah non, c'est bon, c'était relié directement. Bon, tant pis, je suis rentré dans la zone sans faire exprès. Bon, et maintenant on va s'occuper de ce mini-jeu à la con. Non, tu te calmes. Encore un réflexe de cache 2. If it ain't the last kid Captain Justice saved, afraid you'll have to get in line. I'm working on another catastrophe here for these fellas. Huey, Dewey, and Nui, my good friends. Now, I'd hardly call it a catastrophe. Yeah, all we were trying to do was make our own special recipe ice cream. And we had a little trouble. Come on, it's not really that big a deal. I'm 100% positive you're the victims of sabotage. Not even close. Quit making stuff up. It's just the ice cream machine. Uncle Scrooge left it for us, but we can't figure out how it works because it's so complicated. Oh, we're sorry, Queen Minnie. We wanted you to be the first to try our special recipe ice cream. Oh, boys, it was very sweet of you to think of me. We tried. Say no more. Leave it to me. One bowl of ice cream coming right up. You're just gonna make a mess. Leave it alone, Pete. That's Captain Justice! You
This machine is busted. It just needs a good pounding. It does not. Hey, do you think I could give it a shot? No, Captain Justice can't fix it. There ain't nothing you can do, kid. Maybe not, but there's no harm in trying. Yeah, and better you than him. Here you go. These are the directions for the machine. Putain de jeune rythme. Merde, on est encore là. Ça commence bien là. Heureusement que je suis bon pour mitrailler. Parce que ça a donné. Excellent, ouais. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Dites-moi que j'ai réussi. What a wonderful treat! I don't think I've ever had such delicious ice cream. Thank you. Oh dear. Ventus. Just Ben is fine. Well, thank you, Ventus. Way to go, Ben! I see. We had to push this thingamajig the other way. Hey, I just got an idea. We could let our customers make up their own favorite flavors of ice cream. Not with that machine. Well, the kid might have got it to work this one time. But junk like that needs to get junked. Don't you dare, no. Pete! Fine, but Captain Justice will return. About Captain Justice. You said his name is Pete? Yeah, he's the biggest troublemaker in town. I bet he's just calling himself Captain Justice because he wants to win the Million Dreams Award. What's the Million Dreams Award? That's one of the Dream Festival events. Everyone votes for who they think is the town's most exemplary citizen. I get it. So that's what he meant by vote. And if you win the award, you get a really cool prize. Oh, it's just a small token, nothing elaborate. The event is supposed to help us appreciate how much we all look out for each other every day. That's the spirit of the award. Well, that sounds nice enough. He just wants to get his grubby hands on the prize. And he knows that nobody's gonna vote for him if he puts his own name on the ballot. But nobody's fooled. Yeah! Wish somebody was looking out for me. T'inquiète pas, Ven, y'a du monde qui se fait du souci pour toi.
Allez, Zou. Bon, bah finalement, j'aurais réussi du premier coup, tant mieux. Je m'attendais encore à y passer un quart d'heure dessus. Chasse au commandant, on s'en fout. Non, mais ta gueule, on s'en fout. Et bah voilà, donc fin de la ville de Disney où j'ai récupéré tous les coffres en plus. GG. Et bah voilà, je vous dis donc à la prochaine pour le Colisée de l'Olympe. Et jusque là, portez-vous bien.